Salut Saiyan! Ouais, voici Captain Fleur de ce plus que nous sommes dans le championnat MCA, se retrouve pour un nouvel essai de jeu. Mais un essai de jeu incroyable. Je vous le dis, là, c'est incroyable. Aujourd'hui, le jeu, c'est Microsoft Flight Simulator. Et le jeu est incroyable, mais il n'est pas juste ça d'incroyable. Je vous raconte tout. Ce jeu, j'en ai entendu parler les mois précédents. Ce jeu, c'est un jeu qui est très lourd, ça je peux vous le dire. Mais ce jeu, si je me trompe pas, c'est le jeu le plus lourd, le plus gros jeu au monde, si je me trompe pas. La taille de ce jeu, ok, vous téléchargez, mettez sur ça sur votre ordi, c'est entre 150 puis 2. Prévoyez 200 gigaoctets d'espace juste pour ce jeu là. Ça, je vous le dis tout de suite là. Prévoyez 200, ce qui me disait justement. C'est long à installer ça. Ça, je peux vous dire. 3-4 heures. Plus le temps de. Plus si votre internet est lent. Oui, il est quand même assez très rapide quand même. Il est quand même assez rapide, mais là, ça a été long. On est pour partir le jeu, pour se rendre à ça, ça. Je peux vous dire, j'ai eu le temps de faire une vidéo. C'est la dernière vidéo Minecraft. J'ai le temps de faire ça. J'ai le temps de faire ça. Plus le montage. Juste pour vous donner un aperçu. Ce jeu, il est en ligne. Il y a un mode solo. Qui n'est pas en ligne. Puis un mode en ligne dont vous pouvez aussi, si vous avez de la bande passante, une limite de bande passante, vous pouvez aussi diminuer ça. Mais ce jeu, il pèse plus que ce que vous pensez. Ce jeu pèse pas en centaines de gigaoctets, ni en tera. On parle de pétaoctets. Ce jeu, c'est un jeu qui comprend un monde ouvert, c'est un simulateur. C'est le simulateur, là, c'est le monde à échelle réelle. Tu peux faire Montréal-Québec, je pense une demi-heure de vol, quelque chose de même. Ça va te prendre une demi-heure de vol pour jouer à ça. Si tu veux faire Montréal-Paris, je pense que c'est 6-8 heures de vol, je suis pas sûr. Ça va prendre 6 à 8 heures de jeu pour te rendre jusqu'à Paris. C'est fou. T'imagines? Oh wow. Incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, ceci est en quelque sorte un placement de produit. Oui, aujourd'hui je suis le 17 août. Le jeu sort pour vous, c'est aujourd'hui, mais pour moi, demain. Oui, j'ai eu un accès d'avance. J'ai eu la clé. Bah, je suis obligé de le dire aussi, mais me semble que c'est ce qu'ils disent que je faut que je dise. Oui, j'ai eu une clé Steam pour ce jeu. Si vous voulez, j'ai regardé, c'est 80$ le jeu. Si vous voulez un premium, c'est 120. Si vous voulez la plus haute, c'est 160. C'est cher. C'est pas donné. On peut se le dire. Moi, j'ai la chance de l'essayer, ce jeu incroyable quand même, là. Le pire, c'est pas moi qui va prendre l'avion, c'est ça qui est le pire dans ça, mais ça me dérange, le simulateur, ça me dérange pas. La preuve, l'essai de jeu, la 13e vidéo qui, quand même, m'a mis 600. C'est tout à l'heure, c'est ça qui est le pire. Un Hurling Commander. Et il y en a des vues là-dessus. J'aurais jamais pensé à ça, que ça aurait fonctionné autant. Une chose qui est sûre, à tous les moi je teste le jeu d'une certaine façon, c'est comme un mode examen d'une certaine façon. Puis pour à toute l'équipe, si vous m'écoutez ou vous me comprenez, je vous remercie infiniment.
Puis ça a l'air, c'est en. C'est ré. En temps réel. Ça a l'air, tout est en temps réel. Ce qui faisait. Là, il est. Quoi 4h32. Ce qui faisait. 4h32. Dans le jeu. Il fait beau. Là, il fait nuageux. Ce qui faisait. Oh, ça, il doit avoir de l'activité là. Un ouragan, ça. Ça veut dire, ce qui faisait, s'il pleut ici, il va mouiller dans le jeu. S'il y a des orages. Dans la vraie vie, il va y avoir des orages dans le jeu. Littéralement. Vous imaginez? J'ai vu une annonce. Ça disait pour Toronto. Est-ce que la piste d'atterrissage est vraiment à côté de la tour du CN ou juste ailleurs? Pierre Elliott Trudeau. Ça, c'est. C'est l'aéroport s'appelle Noir? C'est pas l'aéroport d'Orval? Ah bon? Mirabel, oui, ça je me souviens, on m'en a parlé je sais pas combien de fois. C'est l'île de Montréal. Québec. Son aéroport est là-bas. Ah bon. Je sais même pas où est l'aéroport de Québec. Si on veut, on peut aller dans le Grand Nord. Moi je vais rester ici, moi. De toute façon, il est 4h, il est 4, 5, 6, 7. 10h le soir à Paris. Vous voyez. On va faire aller à Montréal. On va partir à Montréal. Une fois qu'on voit les Mirabelle, vu que c'est pas loin. Juste pour la vidéo. Ou bien on s'en va à Québec. Je suis au clavier et la souris. J'ai une manette. Qui t'ouvre pas. S'il faut que je pogne la manette, je vais pogner la manette. Une question que je me pose, est-ce que je veux garder le jeu? Peut-être, mais je pense qu'il faudrait que je m'achète un autre disque de donc disque de terre, que je vais mettre tout ce qui est autre que jeu. Je pense que je vais garder un uniquement de jeu, puis un de stockage. Montreal Tower Day or Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha ready for straight out departure at runway 6 right. Air Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha cleared for takeoff runway 6 right, departing straight out approved. Cleared for takeoff runway 6 right, Air Golf Sierra Alpha. Sachez qu'on peut l'avoir en français, sachez-le. Le zoo est en français, mais vu que moi j'ai sûrement une version d'examen, qu'on pourrait dire ça. Probablement, je teste la version originale et non la version francophone. Rien de l'anglais, ça va bien. Une chose que ça va aider, le mettre en français, là. On s'entend. Ah! Reculez au lieu d'avancer! Reculez au lieu d'avancer. Mais je vous le dis que c'est pas évident. Waouh! Je peux dire que c'est compliqué. Il y en a des contrôles. Que ce soit une manette ou ou clavier. Disons qu'on s'en sauve pas. Ouais, des contrôles. Non, mais je veux pas aller par en arrière. Je veux aller par en avant. Enfin.
Enfin réussi. Ah, je suis encore en mode apprentissage, hein, je peux vous dire. La prochaine fois, ça va être plus facile. Spécial quand même. Je suis cousu. Ah, je me suis écrasé. Ah bon. Ah bon. C'est pas évident. Ça, je suis honnête avec vous, c'est pas évident, ça prend du temps quand même. Juste pour le démarrer. Je vais recommencer, mais juste savoir comment quand on change la caméra. Je vais avoir la caméra extérieure. Ah! Là, ça va être plus intéressant. Ça, je peux mieux gérer ça. Le F3 de mon clavier et je tiens ma manette de l'autre main. Elle LS. Je vole en haut de mort. Oui, mon royal. Bon, ça a l'épique au loin, mais le mont royal, il est où? Bon, le centre-ville. Mais il faut pas le... Le mont royal. J'arrive pas à y croire! Mais c'est beau! C'est détaillé quand même. Assez détaillé quand même. Je vole par-dessus Montréal. Littéralement. Okay. Ça, c'est le Mont-Royal. Mais le... en mode plus haut, on dirait. Ouais. Je pense pas parce qu'il est tellement petit qu'il a l'air des flous. J'espère que c'est pas ça. On est au-dessus du Mont-Royal. À peu près. Lac des Castors. Il y a sûrement le Croix dans le coin. L'île Sainte-Hélène. Le vieux Paul.
c'est pas juste ça. Ah, c'est pas juste. Non, mais c'est pas juste. J'essaie de maintenir. Elle est plus bas, moins haut en altitude, puis je réussis pas ici. Ah, c'est pas juste. Je reviens. Parfait. Je suis déçu un peu, le Mont-Royal, ok, on le voit le Mont-Royal, mais il n'est pas représenté aussi haut que nature. Ah, oh, c'est plat ça. Là, on sait que le Mont-Royal est bien plus haut que ça. On va essayer d'atterrir. On va faire un petit trajet. On va aller au Stade Olympique, puis on va revenir par la suite. Eh ouais, pourquoi pas. Le lift olympique. Intéressant quand même.
de l'aéroport. Peut-être mieux de même aussi. De toute façon, je vais atterrir aussi. D'ailleurs, essayez d'atterrir en toute sécurité. Faut pas oublier que c'est pas évident d'atterrir. Beaucoup trop haut. Je suis bien trop haut, le poids terrible. Quand il pense, je suis bien trop haut, le poids terrible. En descendant d'altitude. C'est pas évident contre un avion quand même. Que je vais réussir à avoir je me sens comme ça d'atterrir tout de suite là. Donc, trop vite. Je suis encore un tout petit peu trop haut d'ailleurs. Juste question de prendre un peu de vitesse et de pas tout simplement m'écraser. Juste prendre de l'attitude pour m'écraser dans le fond.
Parce que ça, je suis trop haut pour m'atterrir là, beaucoup trop. On va apprendre à renoncer et à se reprendre. C'est peut-être vraiment de même dans la vraie vie là. C'est quel pire dans tout ça. C'est sûrement vraiment comme ça dans la vraie vie. Ça c'est bien moins ça. Quand que je vois des jeux d'avion. Ok, j'ai pas réussi. Ah, ah, c'est pas évident. Ah, j'allais trop vite. Je pense que j'ai juste pas été assez loin pour ça. Non, c'est pas évident. Le départ, savoir les contrôles, c'est une chose, mais piloter l'avion, il y a tout d'autre aussi, faut se le dire. Mes impressions pour ce jeu, je pourrais dire tout un été incroyable. Un peu difficile, c'est sûr, c'est un jeu de simulation, on s'entend. C'est un jeu de simulation, c'est opter pour la simulation aérienne. C'est sûr que c'est normal, c'est très normal dans ce cas-ci. Que ce soit compliqué les contrôles, vu que c'est comme que je dis, c'est une simulation aérienne. On contrôle un, comme on pourrait dire, c'est comme si on contrôlait une véritable avion. On a juste vu mes performances piètres. Non, mes piètres performances, c'est juste ce qu'on a vu. C'est sûr avec un peu de pratique, un peu de pratique, puis aussi j'essaie de montrer vraiment vite. C'est juste le fait de fermer les pneus, ça aide pas pour l'aérodynamisme, ça c'est pas en tout. Vous voyez, j'étais à peine à Montréal, j'ai à peine resté à Montréal là. J'ai même pas sorti, pas en tout Montréal. Puis je rushais là. Imagine se rendre à Québec. Ça aurait pris 45 minutes, une heure là, me rendre à Québec là. Avec un gros avion là, ça prend bien moins de temps, mais un petit avion même là. C'est rapide, mais en même temps. C'est long. T'as les deux sens en... T'as ces deux sens là. C'est sûr que c'est vraiment opté pour de la simulation. Si vous pensez que c'est un jeu où bon, tu t'amuses à faire des atterrissages d'urgence, vous en faites même, oublie ça. C'est pas un jeu conçu pour ça. C'est un jeu à laquelle méthode simple. Si tu t'écrases, oublie ça, c'est fini. Qu'on peut recommencer, mais vous comprenez que le principe. Je remercie encore pour la clé. Merci énormément. C'est un jeu vraiment très intéressant. C'est niveau graphisme incroyable. Petit détail par contre, il aurait pu faire la montagne du Mont-Royal plus haut parce que on s'entend c'est plus haut en réel, mais je pense qu'ils sont basés le niveau satellite, je pense. Tenez satellite. Absolument, le Montréal est un peu plus haut, mais comme on peut voir justement ici, on voit des montagnes. C'est un très bon jeu de simulation. Ça, j'ai rien contre ça. On peut aller n'importe où sur la planète. Jour, soir, peu importe ce que vous voulez faire. Conditions météorologiques, ça doit être incroyable. Là, on a exploré vite, bien sûr, mais ça doit être incroyable. Ça, c'est sûrement des défis qu'ils nous donnent.
C'est en mode solo, ça c'est en mode multijoueur. Ça c'est un autre, les d'autres défis. Ça c'est juste une présentation. Puis ça c'est sûrement pour se pratiquer. C'est sûr que j'aurais peut-être fallu que je prenne ça avant ça. Mais en même temps, faut que tu regardes les contrôles pour savoir c'est quoi. Moi visuellement, faut que je regarde les contrôles. C'est sûr que ça aide pas. On s'entend. L'avoir en français complètement, ça aurait été beaucoup plus simple aussi pour ma part. C'est sûr que j'ai pas une version, probablement la version originale, la version anglophone. Qui dit original. Ah ouais, t'as même ça. Aéroport international. Oui, c'est vrai, on peut faire des lignes d'avion réel, si je me trompe pas. Puis avoir la version premium. C'est un très gros jeu. Incroyable. J'en avais entendu parler de ce jeu-là il y a quelques mois. Là, je le vois pour de vrai. Wow. J'ai pas autre chose à dire pour ce jeu-là. C'est un jeu incroyable. Au début, je disais ça incroyable, puis là, je dis encore que c'est incroyable. Un peu de pratique, c'est tout ce qui me manque. Puis savoir tous les contrôles aussi. Mais sinon, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure aérienne. Alors pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'ICEP. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Et merci encore pour ce jeu incroyable. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.